Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 mai par signe astrologique. Alors, pour les Verseaux, amis Verseaux, cette guidance est pour vous. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et de voir un petit peu tout ça, de faire un condensé. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous ou vous parle. Alors, amis Verseaux, nous allons prendre une carte avec l'oracle des plumes pour voir quel joli message vous avez à recevoir. Nous prendrons deux cartes avec le Téléma, le Normand, qui permettront de voir les énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine. Nous ferons notre tableau avec le petit le Normand, deux professionnels, deux financières, deux sentimentales, et de relationnel familial. Voilà, amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous prenons notre petit message plume. Quel message pour nos amis Verseaux pour la semaine du 2 au 6 mai 2022. Semaine du 2 au 6 mai 2022. Semaine du 2 au 6 2022. La plume violette. Je ne la sors pas souvent, celle-ci. Violette. Très jolie couleur. Violette. Aide céleste. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Alors, faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Amis Verseaux, c'est très joli message que vous recevez de là-haut. C'est très beau. Je la mets là. Magnifique. Alors, voyons voir quelles sont les deux énergies principales qui vous accompagnent, amis Verseaux, pour cette semaine. Semaine du 2 au 6. Semaine du 2 au 6. Oups. Alors, elles veulent parler. Alors, une... De... Hop. Bien. Pour certains Verseaux, dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose qui va a priori se passer et que ça va vous amener du bonheur et de la joie. Pour d'autres... Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais attention tout de vous-même dans la sphère sentimentale autour de vous à ce que l'on ne triche pas avec vous. Hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous la fasse à l'envers, comme on dit. Sinon, on peut voir aussi que vous allez, certains vont s'éclater dans leur sphère professionnelle. Hein. Elle est mise en avant. C'est, y a de la joie. Bah, tant mieux, de toute façon, j'ai envie de dire. Bon, on va voir ce que nous retrouvons dans notre jeu, hein, amis Verseaux. Alors, pour la semaine du 2 au 6, oulala, le soleil, ça brille. L'argent, peut-être que c'est pour ça que tout va aller bien. Une augmentation dans le milieu du travail, les affaires qui fonctionnent bien. Si vous êtes auto-entrepreneur, je vous le souhaite, c'est assez difficile. Alors, semaine du 2 au 6 mai. À la coupe, la communauté, le monde, les décidément, je pense qu'effectivement la sphère professionnelle est mise en avant hein, pour certains Verseaux là. Alors, je recommence à dire ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je le sens comme ça. Faites attention quand même à ce qu'on ne vous la fasse pas à l'envers lors d'une invitation, lors de vous vous retrouver avec du monde, vous voyez. On va vous la jouer, on va vous... jolie romance. Mais attention, il y a quelque chose qui sonne faux. Soyez prudent, soyez vigilant. On peut même jusqu'à les couper, vous voyez.
Cela dit, il y a des solutions qui sont là pour certains. Donc, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour d'autres, ça peut être la joie dans le milieu professionnel, parce que la solution est là, la clé. Quelque chose se concrétise, en fait, professionnellement. Vous mettez en place... il y a de la réjouissance, hein, parce que vous mettez en place quelque chose qui se concrétise professionnellement également. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, de professionnel, de financière, de sentimental et de relationnel familial. Ça peut pas. Alors, je reviens aussi. C'est pas forcément sur le domaine sentimental comme on l'entend, hein, mais là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui, au niveau travail qui va vous plaire ou vous éclater dans votre nouveau travail. Mais aussi d'être vigilant avec des gens autour de vous, vous voyez. Peut-être que certains collègues également, soyez vigilants. Alors là, Verseau, je n'ai pas fait exprès. Bah, écoutez, que vous dire. Je maintiens que c'est du bonheur, de la joie pour certains Verseaux. J'en connais quelques-uns et je leur souhaite, très honnêtement. J'espère que vous voyez le bout du tunnel et que des solutions sont trouvées pour vous professionnellement et que vraiment ça vous touche. Que vraiment ça vous fasse très plaisir. C'est des jolies énergies. Pour les personnes qui ne travaillent pas, vous avez fait des démarches. Vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a des solutions qui se profilent à l'horizon. Alors, financièrement, bah oui, forcément, si tout va bien dans la sphère professionnelle, il y a du changement dans les finances, hein. Alors, il y a du changement par rapport à des courriers, par rapport peut-être à une nouvelle banque, par rapport à des nouveaux contrats qui vont être, que vous allez devoir faire, nouveau fonctionnement aussi financier de votre banque. Sentimentalement, alors sentimentalement, pour les amours, c'est prospère, c'est beau, c'est on met en place quelque chose qui va vers une belle croissance et on prend de la hauteur à ce sujet d'ailleurs. Pour certaines autres personnes, attention de ne pas trop vous isoler. Hein? C'est également ce qu'on peut voir avec cette toile. Alors, dans le domaine pour les personnes qui sont célibataires et contentes de l'être, vous êtes bien dans votre tête, dans votre peau, dans votre corps. On voit une belle santé, une belle croissance, c'est lumineux. On s'isole sans plus, mais on prend surtout de la hauteur. On est bien, quoi, tout simplement. Relationnel, familial. Eh bien, écoutez, les relations, c'est plutôt, on va dire, rendre visite à un homme. Alors, ça peut être un ami, un papa, un cousin, un oncle, un frère, voilà. On va rendre visite à quelqu'un, en tout cas. Relationnel, il y a des choses qui risquent d'aller vite également. Peut-être apprendre des choses aussi, vous allez peut-être... Alors, si ce n'est pas pour vous, c'est pour un proche autour de vous, hein, qui vous allez aller voir, à qui vous allez rendre visite, ou à qui va vous annoncer des choses aussi, tout simplement. Écoutez, c'est pas vilain, mes amis. Alors, professionnel, finance, sentimental, relationnel, familial. Alors, professionnel, oui, oh là là, c'est magnifique. Franchement, je vous le souhaite. Il y a de l'abondance, on va pouvoir s'ancrer, s'enraciner. On va sur la durabilité, là. Il y a quelque chose professionnel qui est magnifique. Votre tirage est magnifique, hein, ami Verseau. Vraiment, laissez-moi un message pour me dire si vous êtes concerné. Il y a quelque chose de beau avec une belle solution qui se profile à l'horizon, du changement financier. De ce fait, on se stabilise, on s'ancre. C'est que du bonheur au niveau professionnel, les amis. Pour les gens qui ne travaillent pas, vous êtes en train, en passe de vous êtes dans quelque chose là qui vous amène de l'abondance, qui vous amène de l'ancrage. Vous êtes, il y a des solutions qui se profilent à vous. Alors, financièrement, ben oui, forcément. Alors, c'est normal qu'il y ait des souris, hein. Ça peut faire peur, hein, les changements. C'est tout à fait normal, surtout les changements financiers, évidemment. Mais regardez, le bonheur, le succès, waouh! Il y a peut-être tellement de bonheur et de succès dans le domaine financier que ça vous stresse, vous en avez peur. Je trouve ça tellement mignon. Mais oui, c'est parce qu'il y a aussi du monde autour de vous. C'est peut-être de nouvelles personnes que vous allez devoir voir, puisqu'on voit très bien qu'il y a du changement dans votre domaine financier, hein. Il y a des changements concernant des documents,
Mais ça brille, les amis Verseau. Alors évidemment, ça stresse un peu parce que c'est peut-être des nouvelles rencontres aussi, hein, des nouvelles personnes que vous allez devoir voir. Sentimentalement, attention, sentimentalement. Pour certaines personnes, donc, pour celles qui se sentent pas très bien et s'isolent en ce moment au sein du foyer parce qu'il y a de la tension. C'est dommage de réussir dans son travail et ses finances. Et au sein du foyer, ça crée peut-être une certaine tension, peut-être une certaine jalousie. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre, et vous en prenez de la hauteur d'ailleurs. Pourquoi vous prenez de la hauteur de tout ça? Parce qu'au sein du foyer, il y a peut-être un peu de tension. Bon, ça peut arriver. Et bien voilà, on discute. Communication, dialogue. En général, avec du dialogue, on arrange tout. Alors, effectivement, pour certains, il y a de la tension au sein d'un foyer. Pour d'autres, bah, vous prenez de la hauteur à cette situation parce que bah, vous savez très bien qu'il y a un peu de tension, mais vous prenez de la hauteur, en fait, vous vous isolez, hein. Et puis, ma foi, on écoute, on communique encore un peu. Pourquoi pas? Relationnel, familial. Donc, les nouvelles où on rend visite à quelqu'un. On rend visite à quelqu'un, c'est sûr, et les choses bougent. Il y a du changement, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parti, d'ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui déménage. C'est peut-être un proche de vous aussi qui s'éloigne, qui s'en va, qui doit lâcher quelque chose. Est-ce que c'est pas vous aussi, peut-être, qui allez de ce fait changer avec une certaine tristesse, hein, bien entendu. Vous allez devoir faire un sacrifice. Peut-être dû à vos changements, ben oui, pour démarrer sur quelque chose de nouveau, les amis. C'est tout à fait normal. Pour certaines personnes, on voit bien qu'il y a un nouveau démarrage professionnel flamboyant, ainsi que les finances, hein. Il y a de la tension dans le foyer, pour d'autres. Relationnellement, il est question de rendre visite peut-être à un ami, ou un ami va vous rendre visite. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que peut-être qu'il va y avoir un changement avec ça. Vous allez peut-être devoir vous éloigner, hein, d'amis, ou de vous éloigner, ou vous avez peut-être envie de vous éloigner momentanément, j'ai envie de dire, hein, voilà, et ça peut arriver, pour essayer de voir un peu plus clair, pour repartir sur un nouveau départ. Voyez comment ça vous parle, les amis. Voilà. En tout cas, votre tirage est très beau. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, de votre fidélité. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce j'aime, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.